Épisode 6 du mode univers avec Edge, salut tout le monde, on commence tout de suite avec Extreme Rules. On va entrer dans le vif du sujet, on va faire les matchs. Alors, match pour le titre intercontinental. Dolph Ziggler conserve son titre, mon grand malheur d'ailleurs. Tag Team Falls Count Anywhere entre Morrison R-Truth, Chris Jericho et Miz. Et les champions conservent leur titre. La championne féminine, Michelle McCool, défend son titre contre Mickie James et Mickie James devient la nouvelle championne. Triple Threat, un beau Triple Threat. Extreme Rules pour le titre WWE. Triple H reprend le titre, c'était CM Punk. Donc Triple H a repris son titre. D'ailleurs, c'était bien la peine qu'il y ait un match pour la place de prétendant numéro 1 entre Triple H. Et oui! Oh, il n'a pas idée de recevoir du courrier quand on fait un enregistrement, c'est pas possible. Alors bon, j'en étais où? Puisque j'ai reçu du courrier. Enfin bon. Donc, ça pouvait pas le faire avant l'enregistrement, mince, à 3 minutes près quand même. Alors, j'en étais où? Oui, j'y disais, c'était bien la peine que Triple H et Shawn Michaels se soient affrontés pour la place de prétendant numéro 1. Si c'est pour finir tous les deux dans le match pour le titre à la fin. Match d'échelle entre Evan Bourne et R-Truth. Et ah, R-Truth a gagné, nouveau champion des États-Unis. Alors là, chapeau, parce que moi je pensais vraiment qu'Evan Bourne dans les airs aurait été what? Non mais non. Alors là non. Non 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 non. Non. Ah, c'est moi qui décide, mais est-ce que ça va se simuler au bout d'un moment? Parce que ce serait embêtant si la manette Money in the Bank, est-ce que son utilisation est aussi simulée? Bah, j'espère quand même, j'espère. En tout cas, j'ai eu quelques commentaires là-dessus. Vous étiez impatient de voir ce match Extreme Rules, eh bien, le voici. Et je dois dire que ça ne me déplaît pas non plus, bien au contraire. Bon, et puis dans le jeu, ouais, dans 2011, ils font un truc assez bizarre, ils font entrer les champions en premier. Bon, après tout. The following contest is an extreme rules match. And is for the World Heavyweight Championship. Approaching the ring from Death Valley. Weighing 299 pounds, he is the World Heavyweight Champion, The Undertaker!
You think you know me. Weighing 241 pounds, the rated R superstar, Et voilà, j'ai rendez-vous avec l'histoire, j'ai pas l'intention de perdre, hein. Donc je vais affirmer, je vais devenir champion du monde poids lourd dans un type de match que j'adore faire, les Extreme Rules, sauf qu'on en voit pas assez à la WWE. Enfin, en même temps, faudrait pas qu'ils s'abîment nos superstars, ils se blesseraient beaucoup plus facilement. Allez, on va commencer par le mettre à terre et on tombe dans le vif du sujet. Alors, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus, j'ai lu comme commentaire qu'il était dommage que je n'ai pas pu publier le Triple Threat match d'échelle. Je vais me rattraper ce soir, hein, je viens de viser une échelle. Alors j'espère que Cena c'était pas la bonne provoque là, qu'il fallait faire. Il veut me provoquer, je vais lui répondre. Oh oui, il a contré le dropkick de façon assez sournoise et intelligente. Et là il s'avance pas exprès pour ne pas se prendre le truc. Là, tu vas souffrir. Et il esquive encore. Coriace, hein. Bon, en même temps, faut pas que j'oublie contre qui je me bats. Voilà. Bah non, on le sort pas. Oh là là, il sort l'échelle du ring, ce mec, hein. Oups, oh dommage. Ah enfin, il s'est pris le dropkick. Et l'hélicoptère. Oh oui. Oh, il a eu de la chance lui. Ne pas sous-estimer cet adversaire, il est redoutable. Oh, tu veux mieux que ça, Undertaker, quand même, pour une boisson, quand même. La boisson, c'est pour moi. Voilà. Là, c'est digne d'Edge. Undertaker, il va pas prendre ça, il va prendre un truc costaud. À la limite, une chaise, d'accord, mais pas un malheureux soda qui pique à un type du public. Enfin, qui prend... Qu'il accepte. Ah non, il y a une fausse ceinture. Si, vas-y, voilà, bravo. Alors, ça va être un match surtout très violent. Alors, c'est mieux quand on groupe tout. Surtout que sur le ring, c'est mieux, il y a plus d'espace. Non. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y a l'escalier qui bloque, je pense. Bon, je vais rentrer l'échelle. Voilà. J'ai fait ça à Undertaker. J'ai mis une poubelle sur la tête de l'Undertaker.
Alors là, voilà, il va falloir faire attention aux représailles. Moi, je prends la vraie ceinture, moi, monsieur. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. And the crutch has entered the ring. Ah, c'est très bien que t'as amené une béquille. Allez, vas-y. Ose. Contrer. Oups. Ah oui, bah ça marche comme ça aussi, après tout. Tu m'auras pas. Oh, une guitare, j'ai entendu une guitare, j'ai entendu une guitare. Pas la chaise. La guitare. Merci, mon brave. Tu peux remonter. Reste là, moi je redescends. Alors, est-ce que... Ouais, mince, déjà 4 objets, on peut prendre jusqu'à 4 objets en dessous du ring. Bon, bah maintenant, on va commencer à les casser, les objets. Bing. Et DDT, on travaille bien à la tête. Non, pas l'escalier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On ne pense pas. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Mais viens ici si tu l'oses. Allez. J'ose pas sauter parce que je sens que je vais me ratatiner. Voilà, lamentablement, il esquive. J'ai attendu qu'il soit monté sur ring pour me jeter sur lui. Voilà, il est très rapide pour frapper lui. Aouh. Edge is on Dream Street. Hey, oh, the punch connects. Edge controlling the waist. Allez, Russian leg sweep. And there's the Russian leg sweep. He's in big trouble. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. Edge from behind. Oups. Ah oui, avec les objets, c'est un peu embêtant ça. Allez, viens, monte sur cette échelle si tu l'oses. Ouais. Voilà. Oh là là. Oh, c'est beau. Bouge pas trop. Ah zut. Olé. Oups. Oh, sidewalk slam. Oh, sur la chaise, le coup sur le pied de la chaise et le coup d'échelle. Ah, je voudrais pas que ça m'échappe quand même comme match. Hop là. Ouh. Fallaway slam. Ouh. Sur l'escalier. Non, tu ne mourras pas comme ça. J'adore faire ça. Nice. À chaque fois il tombe sur la tête, c'est très beau. Et une contre-chaise. En tout cas, il a lâché l'échelle. Il n'aurait pas dû. Oh, contre. Hop là. Moi, j'ai toujours plus de mal justement à contrer. Voilà. Ah, dommage, j'ai loupé le l'échelle de peu. Alors la poubelle, bon déjà la masse. Alors je crois que les masses elles ne se cassent. C'est pas la masse, c'est la canne. Edge has made a career out of being very opportunistic. Youhou! Tu m'auras pas. Bon allez, on va arrêter là. Ah, ça c'est un coup magnifique. Alors je cherche la poubelle pour la détruire. Ah oui, la caméra, oui d'accord, elle est de l'autre côté maintenant. C'est bien ce qui me semblait.
Ouch. This could be over quick. The midsection seems to be the focal point of this attack. Contre. Edge is in a world of trouble. His eyes are glazed. It's only a matter of time now. Allez. Ouais, sur la poubelle. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. Oh, come on, don't do it. For all it's holy, stop. Oh, the brutality. Enough's enough. Edge's calculating mind at work. You can almost see the gears turning. La chaise est cassée, officiellement cassée. OK, je vais pouvoir prendre une table maintenant. And again, he moves to the outside. Alors là, la ceinture, on la remet. Ah, sauf que les objets n'ont pas disparu. Moi, j'aurais bien aimé avoir une table. Oh, là, il est tombé de beaucoup plus haut. Hop là, contrée. Vas-y, ose. Voilà, contrée. Et c'est toi qui te la prends. Voilà. Alors, non. C'est l'échelle, moi, que je veux. That's why these men are putting their careers on the line. That's why they may never be the same after tonight. Edge. Edge smashes his opponent's face into the floor. Ah zut, il m'a contré. Ah, faut que je... Voilà. Expire. Sur l'échelle! Wow! Fini! Champion du monde! Ça, c'est beau! Ah! Je voulais faire ça avec avec une table, mais je me suis dit, bah, puisque l'échelle est là, autant utiliser l'échelle. Alors, j'espère que ça aurait été assez violent. Bon, Undertaker était un peu difficile, hein, il a pas trop vu m'affronter. Ou d'une échelle, ou du moins n'a pas voulu rester au sol assez longtemps pour que je puisse faire une attaque assez haut. Là, il était super bien placé, c'était magnifique. Là, le spear sur l'échelle, mortel, fini. Champion du monde. Et je vais le garder longtemps celui-là. Hein. Alors, les pay-per-view après Extreme Rules, si je ne me trompe pas, alors je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est Night of Champions, il me semble. Alors, en tout cas, Night of Champions, si je suis champion, justement, je suis sûr d'y être, c'est déjà ça. Mais Undertaker va-t-il être le prétendant numéro 1 dans un mois? On va faire le bilan du show avec toutes les actualités. Et ça va être la fin de cet épisode 6. En tout cas, je me suis bien fait plaisir à prendre tous les objets. C'était pas très technique, pas énormément de prises, mais tout de même. Donc, il y a une rivalité entre Chris Jericho, bah oui, lors du match par équipe, effectivement. Nouveau règne, Mickey James a gagné. Ah bah effectivement, Michel McCool va être rancunière. Et Triple H, voilà. Triple H qui regagne le titre WWE. Une rivalité entre CM Punk et John Michaels qui se renforce. En tout, nouveau champion des États-Unis. Et qui est rival avec Evan Bourne. C'est assez surprenant. Et bien évidemment, Edge. Qui est le nouveau championnat de poids lourd et une nouvelle rivalité. Ah bah oui. Oui, j'avais vérifié dans l'épisode que je n'ai pas pu publier. J'avais effectivement regardé quels étaient les rivaux qu'avait Edge. Il n'y avait que Batista. Et donc maintenant, c'est fait. Désormais, il y a Undertaker. S'il y a des matchs sans disqualification, il faudra que je me méfie. Parce qu'à tout moment, les lumières pourront s'éteindre. En tout cas, c'est la fin de ce pay-per-view Extreme Rules. Et ainsi que de l'épisode 6 du mode univers avec Edge. On se retrouve bientôt pour l'épisode 7. Salut !